Bonjour à tous, c'est Mamie Chou. Aujourd'hui, on entame notre seconde case du calendrier de l'Avent Mamie Chouchou. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Rouge-Gorge. Le dessin a été fait par mon ami Chronique de la Gare, donc je vous invite à aller voir la partie 1 et le process de création sur sa chaîne YouTube et de voir aussi le résultat colorié sur son Instagram. Alors, je sais que j'ai un petit peu triché et que j'ai utilisé un logiciel plutôt que colorier directement sur le papier. Mais c'est vrai que je préfère colorier, en tout cas profiter de cette opportunité, m'entraîner à colorier sur un logiciel, puisque c'est un peu ce qui me fait défaut. Les rouges-gorges, c'est vraiment trop mignon. Ça fait partie de mes oiseaux préférés qu'on peut voir facilement dans nos jardins, même s'il y en a de moins en moins avec tout ce qui est pollution, qui est aussi la prédation des chats, puisque l'air de rien, quand même, les chats, ça tue beaucoup d'oiseaux. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir ornithologue. Et c'est vrai que j'avais commencé à essayer de me renseigner un petit peu, en tout cas sur les oiseaux qui existaient dans nos jardins. Je les connais pas tous, mais la seule chose que je sais faire qui me reste de tout ce projet d'ornithologie, c'est finalement de savoir reconnaître une mésange bleue d'une mésange charbonnière. Voilà. Et j'ai remarqué d'ailleurs qu'avec les années, dans le jardin de mes parents, on voyait de moins en moins de mésanges bleues et de plus en plus de mésanges charbonnières. Et je pense que ça doit être lié vraiment au type de vie des mésanges bleues. Elles doivent être beaucoup plus sensibles finalement au changement d'environnement. Donc je me dis qu'il doit y en avoir moins en moins malheureusement avec tous les changements qui ont lieu ces dernières années. Donc ça me fait de la peine parce que c'est vraiment comme les rouges-gorges en fait. C'est ça, ces petites têtes toutes rondes, toutes mignonnes avec un tout petit bec que j'adore. C'est tellement chou. Donc bon, j'espère que ça disparaîtra pas totalement quand même parce que c'est des oiseaux. Ça fait plaisir de voir des oiseaux quand ils viennent l'hiver, que tu mets la petite boule pour qu'ils puissent venir manger et se tenir un petit peu tranquille. Ça fait plaisir de les voir et de se dire « Ah, bah, on leur donne un petit peu des petites boules de graisse. » Je sais pas finalement si c'est bon pour eux, mais bon, je pense que ça doit pas leur faire de mal. Ça leur donne un petit peu des forces pour tenir pendant l'hiver. Même si dans notre région où on est, l'hiver n'est pas trop rude. C'est pas comme dans d'autres régions beaucoup plus froides. J'espère que cette vidéo vous a plu et que mon coloriage est à la hauteur de vos attentes. Et puis, on se dit à très vite pour la case numéro 3.